ak ancien premier ministre Evans Paul. En pile moun connaît sous nom KP. Evans Paul qui passe de présentation dans sphère politique là dans pays d'Haïti. Avec lui, nous pral essayer commenter et conjoncture là. Bonjour Evans Paul, nous très content gagnon matin dans espace là. Oui, bonjour Johnny, bonjour Jessel, bonjour Adjani, bonjour tout le monde qui branche Captandé, bonjour technicien yo, bonjour Patrick Consignac, bonjour tout haïtien, bonjour tout le monde qui a couru, tout le monde qui a un problème, tout le monde qui a les affaires, yo boule kayo hier, dans le centre Port-au-Prince, la zone pénitentiaire nationale, où je passe, tout le monde qui a traqué, tout le monde qui a caché, tout le monde qui a grand coup, tout le monde qui a osé boire. Moun ki nan pays a d'abord, mais moun ki a l'étranger tout, qui préoccupé par sa kap passe nan pays au pays d'Haïti. Evans Paul, l'on dit non ça en Haïti, li vle di sa, li vle di ya, il n'a pas parlé de moun quand même qui marqué l'histoire politique pays, notamment pendant ces 30 dernières années. En tant qu'haïtien, en tant que citoyen haïtien, et également en tant que politique, monsieur Paul, est-ce qu'on rappelle ou gen nan li do que nous vivons une situation similaire que vous allez vivre là, ou bien une situation qui est plus mal que vous allez vivre là? Bon, chaque situation, c'est sûr que ça est extrêmement grave. Mais dans l'histoire, nous, nous toujours gagné un kachouboumbe. Nous avons vécu une période 300 coups d'État, c'était l'armée qui a simaillé la terre, etc. Et qu'on leur c'était frappe. Et puis loin dans l'histoire, il y a un phénomène zinglin ou bien caco qui fait à travers l'histoire, pour mon capitaine des jeunes, au capitaine des, nous toujours gagnons une bonne situation difficile, situation violente, situation de grande gauche. Et c'est n'a créé problème entre nous qui expliquait notre gagné 19 ans d'occupation américaine de 1915 à 1934. Et nous pourrions recommencer encore, qui fait les Américains pourraient retourner encore en 1994, et nous pourraient retourner encore en 2004. Et je dis, ils sont fatigués avec nous, nous demandons de venir occuper nous. Allô? Allô, allô? Oui, vous là, monsieur Paul. Oui, moi là, oui, oui, moi là. Qu'on y a là, ou même aussi acteur et dans histoire sorti dans Evans Paul qui était milité qui dirigeant de parti qui devine premier ministre qu'on y a engagé conjoncture là avec un yeux de politique. Donc entre un premier ministre qui dit le démissionner mais qui pas dans pays a pas monde qui connaît côté lié à un processus qui t'a dû abouti à un conseil présidentiel jusqu'à présent qui dans l'impasse. Qui ça ou même ou fait comme lecture? Là, m'a parlé avec politique, là, m'a parlé avec dirigeant politique, là. Bon, nous avons une situation. Alors, son mot panyol, il utilise le tout en créole, galimatia. Galimatia, rien pas clair, tout bagaille, tête en bas. Confusion, si nous avons dit en créole et en français. Parce que, première question pour poser, qui statue M. Ariel Henry? Et est-ce que les premiers ministres en exil, est-ce qu'ils sont premiers ministres destitués ou bien est-ce qu'ils sont premiers ministres renversés par un coup d'État? C'est une question pour t'apposer. Et maintenant, s'ils sont renversés par un coup d'État, qui est-ce qui fait un coup d'État et qui est l'autre monde qui a assumé un coup d'État? Alors, toute la question maintenant, c'est autour de l'État. Excusez, c'est ça que fait. Chaque fois que nous sommes en crise là, il faut nous référer à un débat, professeur Sauveur Pierre-Étienne, qu'on a lancé tout, on a parlé de crise sociétale, qui plus que crise sociétale, c'est tout bagaille net qui gagne dans nous à tous les niveaux. Qu'on prenne au niveau politique ou prenne au niveau de société, tout le monde dit politique n'est pas bon. C'est vrai, il n'y a pas de résultat. Mais côté politique, yo sorti, c'est en dans société. C'est société qui produit le monde qui fait politique, c'est lui qui produit le monde qui est dans les affaires, c'est lui qui produit le monde qui est dans l'église, c'est lui qui produit le monde qui est dans la presse. Alors, gros problème de matrice pays qui est société, et si nous ne pas résoudre le problème à la base,
n'a toujours produit mauvais moun yo k'ap bay mauvais résultat. Parce que je dis, il y a un problème nous gen en Haïti. C'est pas un autre pays qui a gourmé avec Haïtien. C'est Haïtien encore qui crée problème contre Haïtien pareil. Qui ban nous trois problèmes marasa. Qui c'est la précarité, qui c'est problème majeur. Et la précarité a, li pral engendrer yon problème qui relè insécurité que tout le monde konsa le dit dans le pays d'Haïti. Et nous yon ambiance chronique instabilité. Instabilité, elle n'est pas même chita dans la durée. On capable prendre exemple, tu es en période 29 ans dans la dictature, tu es en gouvernement, tu es là pendant 29 ans, mais ça ne veut pas dire que tu gagnes stabilité, parce que stabilité, elle veut dire quiétude, elle veut dire progrès économique, elle veut dire tranquillité pour mon travail, mais là, on n'a pas de tranquillité, soit on a la paix, soit on ne sait pas ce qui va passer demain. Soit c'est gouvernement qui a attaqué ou bien soit c'est bandit qui a attaqué ou, et bien c'est même pareillement, et c'est ça que pour nous, résultat, Haïti, son pays qui sous la graba. Et je dis, le problème pour me poser, c'est le problème de l'État haïtien. Nous avons l'État, en français, nous avons dit effondré, mais en créole, c'est l'État qui déconstombré. Et au niveau international, il n'y a pas à prendre nos points, il y a dégradé nous. Si nous avons gardé, pardon, à un moment déterminé, dossier haïtien était traité par les Nations Unies, qui sont organisations internationales. Pardon. Un peu plus tard, les vins traités par l'OEA, qui sont organisations régionales, qu'on a dégradé, nous voyons dans CARICOM, qui sont organisations sous-régionales. Et puis nous d'accord, nous ne faisons aucun effort entre nous, nous ne cherchons pas à dialoguer entre nous. De temps en temps, nous cherchons un abyss, nous d'accord, un abyss qui ne comprend pas le problème, non? Qui prend une décision de graine gauche qui n'est pas cadrée à la réalité. Ok. PPM Evans Paul, qu'on y a là, nous, jeudi, dans un processus qui t'a dû aboutir à un conseil présidentiel, même si jusqu'à présent, par rapport à tout ça, il y a comme évolution, comme rebondissement. Son conseil qui est dans l'impasse, son conseil dont l'installation est très hypothétique. Donc, ou même comme ancien Premier ministre, toujours comme dirigeant politique, est-ce que vous pensez formule CPA est capable de te fuir? Autrement dit, est-ce que c'est la meilleure formule nous te doué appliquer? Là, m'a parlé de surtout partie pour une qui est dans la discussion à CARICOM par rapport à ce qui est là comme situation, comme réalité. Il y a plusieurs problèmes qui posaient dans la question du conseil présidentiel là. Première question que vous nous posez, qui est-ce qui va nommer le conseil présidentiel là? Parce que nous avons d'ailleurs dit que vous allez faire un moniteur publier un décret. Qui est-ce qui va signer un décret ça? Des ministres. Comment commander des ministres pour nommer les gens qui sont au placé passé? Qui est-ce que vous avez ça passer? Que ou même, ou son employé Radio Caraïbe, c'est ou pral nommé PDG Radio Caraïbe là. C'est de ça qui est la question. Parce que quand même, Gomba a écrit les procédures. L'on parle d'un pays, il y a plusieurs approches pour considérer. Il y a bien sûr approche politique, yo, mais quelle que soit approche politique qui pas chita sous des procédures juridiques qui claires, il y a une anarchie. Comment un conseil, comment des ministres peuvent nommer des présidents ou un président? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qui livre lit ça? Je ne suis pas un juriste, mais là, dans la politique, il faut avoir une certaine connaissance transversale. Et il y a des choses, tout, c'est logique. Il y a un bon jeune qui a attendu, un bon jeune qui a l'école. Comment? Je ne peux pas comprendre comment ça. C'était le même problème ça que tu as toujours posé. Léo t'a demandé le PM Henry pour lui. Nommer président. Bon, comment le Premier ministre peut nommer un président? Quel que soit l'agent prenne, constitution de la provision pour ça. Même tu es capable de dire le bon sens. Il y a un problème comment nommer ce conseil présidentiel. Maintenant, si nous sommes d'accord avec un coup d'État qui fait, nous sommes capables de procéder par une proclamation. Une proclamation, nous mettons sous côté constitution, mettant un bon groupe qui dit nous proclamons. 1, 2, 3, 4, pour telle raison. Et là, ça n'est pas la constitution du tout. Mais si nous proposons, nous pourrons le faire.
dans le journal Moniteur, eh bien, nous allons tomber dans l'illégalité, ou capable même font élection et mettre en question. Il va mettre en question l'autorité de ce conseil présidentiel pour des raisons de procédure, parce qu'ils ont l'État quand même géré en fonction de procédures déterminées par la Constitution ou même par la réelle politique. Parce que là, nous tombons dans l'improvisation totale et nous ne pouvons pas prendre de ces CARICOM qui vous décidez pour nous, procédure qui vient pour nous résoudre le problème politique là, quand même. Selon vous-même, qui t'a nommé à proche là? Je pense que bon proclamation qui doit faire, étant donné nos crises, bon proclamation, ce fond proclamation, ça veut dire que il a assumé bon coup d'État qui fait, parce que quand même bon sorte de coup d'État qui fait. Monsieur Henri parti là dans la mission, il a fermé le dur. Son coup d'État. Il a joué l'île, son coup d'État. Il a sorti grave. Parce que c'est la faiblesse de l'État. Quel a sorti reproché, monsieur Ariel Henry? Bon, il faut des formules, ou t'as qu'à mettre la tête souvelée, ou t'as qu'à prendre proclamation d'un pays, ou révoquer lui. Mais si c'est sorti, il sorti, il a fermé le dehors. Et là, il a fermé le dehors, il a bloqué, il a capable de circulation entre pays et l'autre pays, faire peuple payer conséquence sale, bref, pas faire, ou bandit attaque à l'aéroport, prison attaque, il y a un bon événement qui m'a connu, il y en a l'autre, suite au déplacement du père Ariel Henry, qui vient tourner l'exil du père Ariel Henry. Maintenant, politiquement, nous pas dit M. Henry, t'es performant. Faut qu'on t'a fou seulement pour dire ça. Mais maintenant, façon de destituer, façon de fermer le dehors, façon de renverser là, c'est pas une formule démocratique non plus. Et c'est pas comme ça qu'on a résolu. C'est pas comme ça qu'on a résolu le pays d'Haïti. Parce que là, nous avons l'État qui sous la grappe. En français, on dit effondré. En créole, on a dit déconstombré. Et puis, gros mission, nous, que je veux dire, c'est rétablir l'autorité de l'État. Et M. Préval a dit ça depuis 1996. Il faut restaurer l'autorité de l'État. Et depuis 1804, la bataille pour nous, c'est la bête campée de l'État. Bien sûr, nous font pays sous force pour nous. Nous combattons l'esclavage, c'est vrai. Mais nous toujours en bataille pour nous constituer l'État. Premier chef de l'État, nous touillons. Et depuis l'ESA, c'est dans le brigandage qui a géré l'État. Et je dis, c'est dans le brigandage là, nous y là même. En étant de laisser frapper gagner pour faire un conseil présidentiel. Vous si vous laissez frapper ça pour former un conseil là, comment on va le marcher? La politique, la démocratie, gérer par délégation. C'est comme si Haïti vient dans un gros pays, un seul monde qui a président, c'est 7 à 9 monde qui pour la présidence pays. Nous mettons complications. Pire, un pays qui a urgence, pas qu'être un grand groupe, pas qu'être un déplacé. Chaque décision, chaque communiqué qui pourra le prendre, il faut gagner 9 monde qui d'accord, bien que pas d'accord. Mais mes amis, si nous regardons pas, ce n'est pas logique. Et puis toute expérience nous gagnons de référence de gouvernement collégial. On a regardé le constat. 1956, c'était un gouvernement collégial qui était 13 mounes là-dedans. Et bien, il n'y a pas fait un mois. En 1986, nous passons en bonne expérience qui était le CNG, qui était commencé par 6 mounes, qui vient tourner 3, etc. Mais il était gagné une différence fondamentale. Il était dirigé par un chef de l'armée qui était l'élément principal, et l'armée à ce moment-là, était dans tout pays, était existé à travers le pays, c'était la force. Je dis, nous n'avons aucune référence. C'est ça qui fait notre viré rond, un tantôt international. Et puis, si nous n'avons pas parlé de l'international, quel est le rôle principal de l'international dans la crise? Il y a un rôle de l'international dans la crise. Deux, il y en a dans l'histoire de l'ingérence. L'ingérence là, li fait que haïtien prend positif moun yo et puis yo by lord et puis combat gay la passé bien sérieux on le passé mal c'est haïtien yo. Mais au-delà de ça, pi gros problème nous gen jodi a, c'est le problème d'insécurité. Ça fait insécurité a zam. Est-ce que Haïti fait zam? Non. Qui côté zam yo sorti, qui côté yo passé? Premier concours pour international la bonne. Première négociation pour nous faire, c'est négociation
pour bloquer la route côté des armes à sortir. Qui est le monde qui importe des armes? Qui est le monde qui exporte des armes vers Haïti? Je pense que le premier gros concours, les États-Unis, le pays voisin, avant nous, même si on mettait des bateaux pour veiller les réfugiés, mes amis, s'il vous plaît, tout le monde s'appelle là-bas, ben nous un petit coup de main, pas quitter les munitions entrer dans le pays, pas quitter les armes entrer dans le pays. Sous bloquer route, ou bloquer circulation, ou bloquer trafic d'armes, trafic munitions, ou résoudre le problème, non, on est capable de dire à 60%. Pourquoi ça me dit 60%? Parce que le problème n'est pas seulement insécurité, l'imprécarité, tout. Problème grand groupe, problème chômage, etc. Et qui crée un bien général d'instabilité chronique qui a déstabilisé le pays depuis le fait. Evans Paul, où sont évoqué là difficultés qui gagnent à savoir est-ce que c'est munitions qui pral nommer supérieur yo, ok, et ou aller tout dans difficulté qui pral gagnent pour 7 ou 9 moun sa yo en temps yo les prend en décision. Même en vimando comme monde qui a expérience dans politique là, comment on pense n'ta ka sorti de situation ça? Parce que là nous pas qu'à dire que nous dans constitution, ouais, mais tout le monde croit que nous t'a supposé ensemble décision qu'a prend yo nous plus proche constitution que possible, même le c'est l'elle le bon pour yo d'accord, l'elle pas bon pour yo pas bon, yo pas d'accord. Donc dans deux cas ça yo comment on ka sorti, qui meilleure formule là? Bon, normalement nous formule proclamation, c'est la bonne situation politique et puis on fait des considérations qui dit que ou pas qu'à résoudre les en fonction de référence constitutionnelle là. Laisse avoir baillement si c'est même bagage qui passé avec madame Dominique Dupuis, ou pas capable évoquer question faut gagner 35 ans pour président puisque constitution tout pas prévoir faut gagner 7 à 9 monde qui dans présidence là. Alors maintenant son proclamation pour faire. Et c'est proclamation. On proclamation, ça veut dire son coup d'État. Bon, proclamation pas forcément coup d'État. Proclamation, hein, c'est une formule, c'est une disposition politique qui est justifiée par une situation déterminée. Proclamation qu'on fait suite à un coup d'État. Par exemple, après le départ de Jean-Claude Duvalier, CNGA a fait une proclamation, c'est-à-dire qu'il y avait un discours proclamatoire qui dit, bon, vu, il prend telle décision. Et les SAA, les hors normes, ils vivent une situation spéciale. Alors, c'est dans ça nous y est là. Maintenant qu'on y est, dans la proclamation, tout, il faut nous connaître qui s'en a privilégié. Premier, ça pour nous privilégier, c'est la sécurité. Sécurité à passer, pas bloquer pour nous suspendre dans le pays. Deuxième bagaille, même pas le deuxième, non, il est obligé, on a pris l'autre. Question précarité, pas qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui n'a couru, qui n'a caché, qui n'a pas 5 ans pour manger, etc. Et même dans la question quartier populaire, il y a des gens qui pensent que c'est l'armée pour venir pour résoudre le problème bandit. Ou retirer bandit, c'est l'autre bandit qui vient encore. Parce que ou bon bon quartier, qui bon bon monde, bon jeune garçon, qui ne peut vivre, qui ne peut pas l'école, qui ne peut pas travailler, et puis qui a mauvais bagaille absurde, mauvais idée absurde, et puis qui a fait de mauvaises actions qui comptent même pour tête. L'entendez par exemple des jeunes garçons, au nom de quel principe, de quelle bataille, autant de attaquer l'hôpital, il n'y a pas attaqué un port, il n'y a pas attaqué l'aéroport, il y a isolé le pays, il y a pays à pas produire rien. Il y a pris le même corps qui vole dans le kidnapping. Il va prendre manger pour acheter avec lui. Mais il ne comprend pas tout ça. Qui va aujourd'hui gagner plusieurs aspects pour nous considérer. Et l'aspect principal, c'est l'établissement de l'autorité de l'État. Et c'est l'État, quel que soit son fait, le conseil présidentiel, nous-mêmes, on a plus d'autres, qu'on va le mettre 9 mois ensemble, je dis à le faire pays à avancer. Normalement, on n'a pas de problème avec aucun individu. Oui, il n'y a aucun compatriote, parce qu'en général, l'ordre des individus, c'est bonjour maintenant, mais il y a un retirer mon individu à mettre compatriote. Nous ne pouvons pas le mettre en bonne foi, compatriote, mais aussi qui pour nous conseil. Ce n'est pas la question. Hein. La question, c'est l'efficacité d'un tel conseil. Comment on peut avancer, comment on peut fonctionner.
contradiction pour le gagner, négociation pour faire à chaque monde, pour nous, mon directeur général, pour nous, mon ministre, pour prendre décision, pour faire un budget. Et alors que nous, en crise, nous avons besoin opérationnel. La politique, la démocratie, les marchés par délégation, tout peuple n'a pas qu'à agir, mais il faut faire délégation fonctionnelle, délégation logique, quel que soit grosse ou machinier, que le son petit voiture, 4 cylindres, que le c'est un trailer, son grain de chauffeur qui mène. Alors, où qui ça a ici, je dis à 27 000 km², il faut qu'il y ait 9 personnes qui sont président. Nous avons fait expérience là déjà en 1956. Le gouvernement n'a pas dit un mois. Ça a été le gouvernement collégial. Nous n'avons pas qu'à tourner dans le bagage encore. Moi-même, j'ai un pile doute. J'ai un pile doute que former ça. Pour le match, déjà, qui bataille, qui difficulté gagne pour former. L'offre de former. Vous pouvez tomber dans l'autre bataille pour jouer qui est pour présider. L'offre de résoudre. Vous pouvez tomber dans l'autre bataille qui est pour premier ministre. L'autre bataille qui est pour ministre. Il y a un ministre régal, il y a un ministre qui est moins régal, il y a qui moins fort, moins important, ou ambassade. On parle de bande problème personnel qui a résoudre et puis pour le quitter, problème fondamental peuple là, problème insécurité, problème grand goût derrière. Et puis je dis à tout, soit parler de résoudre problème Haïti, il y a un acteur incontournable qui est capable de négocier avec lui. La communauté internationale, en particulier les États-Unis, sur la question de l'insécurité, question que j'aimerais rentrer dans le pays, sur l'autre question fondamentale, tout, parce que nous ne pouvons pas résoudre le problème pays sans que pas gagner un plan économique, un plan investissement pour nous sortir dans la précarité. Solution pas politique strictement, c'est politique d'abord, mais politique au service de l'économie. Pour le bien-être de la collectivité. Et c'est là pour nous mener la question. Moi-même, c'est là que je suis campé. Je ne parle en opposition à personne. Même t'as aimé que nous prenions le son de ça qui passe déjà. Ou qui ça a 220 ans, elle a passé comme ça. Et puis, nous avons fait même erreur, même bagaille là. Même si bataille avec l'ombrage noir. Parce que je veux dire, on a parlé de pouvoir. De quel pouvoir? Radio Caraïbe a un pouvoir parce que l'elle parlait plusieurs mois, entendez. Mais je dis à même Radio Caraïbe qui a des difficultés, bah, et constate, bah, même le pouvoir, ça nous a perdu. Mais maintenant, si vous avez le pouvoir, c'est seulement le titre qu'on gagne. Voilà, c'est qu'on voit le ministre se déplacer, même tout le monde va retourner dans le pays. Je dis à un ministre, c'est pas capable de circuler dans le pays. Demain matin, vous êtes capable de gagner un conseil présidentiel, et puis vous avez des difficultés. Je prends un exemple simple. Il y avait le premier ministre Marc Bazin, qui était premier ministre, et qui a toujours un rôle de premier ministre président. Vous comprenez comment vous évoquez Marc Bazin? Marc Bazin était premier ministre, il était siégé dans le palais national. Et puis un matin, l'armée d'Haïti décidait de pas le chercher. Parce que c'est l'armée d'Haïti qui pouvait aller scotter. L'armée d'Haïti n'est pas le chercher, et puis c'était la fin. Puis c'est pour nous suspendre en mode de comportement. Ça, c'est même pas écrivé le père Ariel Henry. Les partis, ils ferment le dehors. Demain matin, n'importe qui membre dans le conseil présidentiel, là, il n'y a pas de déplacer, ils ferment le dehors tout. Parce que nous pas respecté principe, nous pas gagné à faire pour l'État. Et l'État n'a pas connecté tout à la population. Je dis à nous besoin de l'État, des mouns qui prennent, reconstituer l'autorité de l'État, qui viennent faire un l'État au service du peuple. Je dis à peuple là, pas comprendre ça que l'État. Ils confondent l'État avec le gouvernement. Ils confondent l'État avec l'individu. Qui fait nous une crise qui est extrêmement grave. Nous entendons des commentaires nous faire. Et fort nous fait chaque matin pour nous bailler une nouvelle. Son gros bagay. Mais nous avons une gros crise. Mais même ça m'attendait là. Ça m'attendait qu'à passer là. M'pas ouais, gagnons. Quel signe de solution qui répond à aggravation, à gravité situation. Tout le peuple qui nous a boire, qui ben monde capteur de nous là, qui va un côté plus de mec, pas rien manger pour manger, qui a caché dans la rage, etc. Faut qu'on bagay qui fait. International, pas sous bon, il a passé de notre intérêt, il a dégradé nous de Nations Unies, l'OEA, de l'OEA à CARICOM, il n'a pas pris nous au sérieux jusqu'à ce qu'il disparaisse nous sous radar d'information internationale. PM Paul, quittez nous demandons ça très rapidement. Il y a des gens qui croient que Jodia et Sanab Vivla l'irrivé à cause tout simplement vide institutionnel et constitutionnel qui gagne un pays. Et pour justifier vite ça,
moun yo accusé un ensemble de dirigeants par le passé qui te gen des responsabilités pour te prendre des dispositions, notamment hein, organiser des élections dans le pays à temps qui pour te permettre une série de institutions qui pour te rete camper et qui t'après rempli fonction comme ça. Donc par exemple, yo dit on dit te gen un parlement qui fonctionnel qui était sous pied qui était là. C'est certain là Jovenel Moïse t'es fin mourir. Yo t'a connait qui sa solution à tapier. Si avant t'es gagné des dispositions pour permettre une série de institutions constitution prévoit qui était là, donc un ensemble de solutions nous t'a chercher jodia, nous pas besoin nan tâtonner. Donc nous tout d'accord que c'est parce que pas gagné institution qui fait jodia. Et nous avons tout kachouboumbe nous là. C'est ça qui fait que des acteurs qui croient que si nous avons aller vers une approche qui est plus ou moins institutionnelle et constitutionnelle, donc nous avons pencher vers la Cour de cassation. Donc même s'il n'est pas prévu dans la Constitution, mais comme c'est celle grain et institution symbole la justice là, je vous dis que nous avons considéré comme pire instance qui existait. Donc nous pensons que ça était capable de bon formule en lieu place de conseil présidentiel. Problématique ça n'a pas l'air. Est-ce que vous-même commencez pour le ministre ou David? Bon, n'a pas cherché solution parce que les difficile je dis à pour camper des constitutions ou pas l'appliquer puisque dans une grave crise sociétale là toute bagaille éclatée. Mais faut font bagaille qui pratique au moins il y a une référence historique de l'utilisation de la Cour de cassation. Ce qui paraît plus logique parce qu'on pourrait l'agir par délégation, et puis il a parlé de la constitution de 1987, il y a un qui a amendé, il y a un qui n'a pas amendé. Parce que le pays a deux langues officielles. Il y a une langue officielle française, il y a une langue officielle créole. Qui fait ça, son autre conflit. Nous avons un conflit, c'est sa crise sociétale là. Qui fait, si je dis à moi, je voulais râler la constitution de 87, là, je suis pour créole là. Si je prends créole là, je ne dis pas la constitution de 87 là, parce que créole là, son langue officielle, même gens avec français. Alors maintenant, la Cour de cassation est capable de permettre une formule pour agir par délégation. Parce que c'est la formule. Il faut que une formule qui on peut mettre tous les citoyens, on met on 12 millions de personnes ensemble pour dire délégons les gens parmi eux, il faut un mécanisme. Mais c'est ça qui est le problème. Non, je dis, par exemple, l'on prend cette formation politique, cette entité, ou d'ici eux-mêmes qui fait conseil présidentiel, on prend 9. Mais il y a l'autre. L'autre est capable de dire qui ça fait ces 7, ça, c'est 9, ça, même pas là dans tout. Et puis, on est capable de faire une contestation, pas jamais fini à l'intérieur des secteurs. On est capable de contester pour ces deux qui fait c'est tel monde par rapport à tel autre. On peut gagner, en plus de la crise politique, en crise de légitimité. Et là, il y a une crise de légitimité, il y a une bonne autorité qui n'a pas une force pour prendre décision dans une situation où on a l'État qui est faible. Qui mande une décision pratique qui doit prendre pour renforcer des institutions, je dirais, fondamentales pour faire face à la réalité. Première institution que nous voulons garder, c'est la police là. Parce que la police n'a pas qu'à quitter pour écraser les policiers, y a mal payé. C'est eux-mêmes qui dernier ressort. Il faut nous connaître comment ils traitent la police là, au niveau budgétaire, etc., au niveau de gens traités, et puis au niveau de fonctionnement et tout. C'est très difficile pour un policier qui était sorti dans le centre, et puis 5 ans, 10 ans après, il n'était jamais fait un exercice physique. Bon, ça veut dire que l'organe d'un policier après 3-4 ans, même si il est dans la rue. Ou un bon problème, il y a des gens qui ont touché, il y a des motivations, puis il faut partir dans Biden, etc. Ou un autre problème, côté souveraineté nationale. Là. Ou un l'armée, et puis un pays qui dit pas reconnaître l'armée. Ça. Ou l'armée, elle reconnaît pas la constitution, le pays a dit reconnaître le gouvernement lui-même dit fait l'armée a pas caché des armes. Ou l'armée, elle a dit qu'il y a plus précis, je dis, que la police. La bonne raison, c'est. Parce que l'armée a gagné 30 ans pas opérationnel, ça veut dire pas gagné contentieux avec la nouvelle génération. Qui fait aujourd'hui, l'armée a un rôle qui a joué. Tout est capable de diviser les bagailles en deux. Les infrastructures fondamentales, port, aéroport, etc., voie terrestre, tout est capable de mettre l'armée à occuper de eux, palais national, etc. Et puis l'autre question, l'autre public là. Parce qu'il faut une vision comment on a résoudre le problème sécuritaire. Il y a un aspect sécurité nationale, un aspect sécurité publique. L'armée pour s'occuper de la sécurité nationale,
et la police pour s'occuper de la sécurité publique. Nous pas qu'à laguer toute bagaille sous dos police là. Comment on pas équipé pour ça, deuxièmement, on pas entraîné pour ça. Quitter l'armée à jouer au rôle, c'est vrai que mon l'armée qui fait bagaille. Pas moi même des victimes de monde qui dans l'armée, mais c'est pas mettre bagaille sous bagaille personnel, sous bagaille monde. L'armée c'est une institution qui bail pays indépendant. C'est depuis Dessalines, deuxième bagaille là, mais il n'y a pas de coup de fil, pas cacher des armes, son l'armée bout de marque, bout de bâton, l'armée chef section. Nous pas gérer un pays comme ça. Pays, il faut avoir une force pour le défendre de tête. Alors, c'est dans ce sens-là, ma question. Evans Paul, tout à l'heure, où tu évoqué question coup d'État et où tu même parlé possibilité pour ta gagner en proclamation par rapport avec ti, et point de discorde qui gagne sous question, c'est Ariel Henry et le ministre qui t'a dû signer arrêté pour nommer, pour installer et conseil là. Et il y a un monde qui a suivi là, pas de moins des observateurs et avisés, qui croient que je dis assister ton coup d'État et instigateur, yo même, yo t'a dû automatiquement prendre pouvoir ou bien yo t'a dû choisir un monde, ok, pour bailler pouvoir. Mais dans le cas ça, on t'a d'accord. Exceptionnellement, c'est un coup d'État. Donc, ils ont estimé que l'État est inconcevable pour un monde pas pointer du doigt à accusateurs étrangers, notamment les États-Unis et d'Amérique. Et pour parler de proclamation, ils ont dit que c'est l'armée qui a pris les commandes. Et je dis qu'il y a un moyen politique. Maintenant, pour proclamation, ça n'a pas parlé. Est-ce que c'est le directeur général de la police nationale d'Haïti, puisque c'est lui qui était campé là comme. Et principale force légale sous territoire, ou bien c'est Nega Xamio, leader au niveau de coalition vivant ensemble. Expliquez-nous schéma ça. Bon, il y a plusieurs aspects. Maintenant, je connais des gens qui parlent, mais beaucoup d'États, des gens qui sont capables de coup d'État, comme si c'était les gens qui ont tué, coup d'État classique. C'est-à-dire que un coup d'État technique. Et l'offre, mon premier ministre, de ne pas qu'à entrer son forme de coup d'État. Qui est-ce qui ferme le dehors? Qui est-ce qui empêche de l'entrée? Pendant l'année, la venue, tel pays dit, nous pas accepter l'avion, descendre la caille. Nous mettons l'autre pays à nous, pas qu'à déplacer le coup d'État. Et puis, ouais, aéroport attaqué, problème, aéroport ferme. Pourquoi le ministre n'a pas entré au pays fermer tout l'autre haïtien dehors, tout haïtien qui l'a vu partir en dedans? Cette sous forme de coup d'État. Qui implication il y a là-dedans? Maintenant, c'est une question de si M. Ariel Henry était bon, s'il n'est pas bon. Regardez, ça m'a parlé, non? On a parlé du principe fondamental. Il y a deux bagailles, pas de coup d'État, deux pas de exil. Personne ne va en exil. Nous mettons d'accord sur ça. En 1987, nous faisons constitution. Si on a un grand problème, il y a jugé dans le pays, la prison dans le pays. Mais exil, pas là-dedans, coup d'État, pas là-dedans. Et puis, nous continuons à faire comme coup d'État nous fait de 1987 à nos jours. Monsieur Aristide, pour qu'on parle, prend deux, il fait deux cabesses. Je n'ai pas besoin de citer l'autre. Bon, maintenant qu'on y est, au-delà de ça, il y a un problème l'État. Problème l'État, comment pour nous, West Sin capable de sauver la face? Sauver la face. Je dis, il faut que premièrement nous mettions d'accord sur une vision. C'est-à-dire, quelle est la mission de ce gouvernement? Parce que c'est le plus gros problème, non? C'est que moi, l'on est, mon cher, bon job chauffeur, même pas du côté de ma voie. On mettait 9 mounes ou bien 17 mounes, et puis on n'a pas une mission, on n'a pas une feuille de route. C'est quoi la tête de mission? Quelle est la mission de ce gouvernement de transition, etc.? Est-ce que c'est mission faire élection? Ou pas capable de faire élection seulement? Il faut créer conditions faire élection. Ou pas capable de gouvernement pas occuper de questions du peuple dans l'arrière? Il faut nous tourner la caillou, il faut nous manger. Quel environnement pour créer? Quel est, on est capable de dire, le mandat, le délai? De cette transition. Tout ça flou. L'homme va arriver, il y a 7 ou 9 personnes qui pourraient décider ça. Il y a peut-être un mandat de 5 ans tout. Parce que c'est tout ça qu'il y a pour faire dans le pays. Alors moi, je pense que la première étape qui a dû faire là, vous voulez un gouvernement, intérimaire, sous carré comme ça, un gouvernement de transition. Bah, on est qui dans le cabalé, le gouvernement présidé par. Le premier ministre Ariel Henry en exil et le premier ministre par intérim, M. Boisvert. Bon, parce que nous-mêmes, vous ne connaissez pas, ce n'est pas à peine faire barrière, nous gagnons l'autre bord, parce que jusqu'à présent, M. Ariel Henry n'a pas de démission. Ils font un discours, pas de démission. M. Boisvert là pour l'assurer intérimat, pour le prendre direction pays. L'État, par exemple, invite toujours un monde quelconque qui est là-dedans, qui est responsable. Et bien que le monde sache répondre de responsabilité. Yo. Un, pour adresser problème de sécurité.
que pour résoudre problème impasse politique là, nous pas qu'à la gueule non mais CARICOM pas comme pays, CARICOM pas une autorité pour ça. C'est une honte nationale. Ça empêche tout haïtien chiter ensemble, même dit tout haïtien chiter ensemble. En forme bon monde qui gagne la voix au chapitre, monde qui senti concerné. Mais maintenant s'il faut faire une négociation, son négociation qui doit qui gagne pour la réunir au moins trois entités. Entité politique, dans diversité, entité sociale, ça veut dire les sociétés civiles là, monde qui dans l'église, monde qui dans les affaires, et l'entité internationale. Nous pas capable de prendre pause comme si nous avons international là, pas dans le conflit, il fait partie de conflit. Il prend une bonne décision pendant 30 ans, sous l'emprise qui ça a été marché, sous l'emprise internationale. S'il y a un échec, la responsabilité, c'est d'abord nous autres haïtiens, mais quand même, il y a 30 ans de présence internationale qui coûtait des milliards de dollars sans résultat. Qui bon sorgue là, on police dysfonctionnelle, on l'a meilleur pas reconnaître, on peut qui aux abois, c'est dans ça nous. Mais maintenant, il faut nous prendre conscience tout, comment on a pu résoudre ça, mais il faut nous passer en phase, on est capable de coller morceaux, de coller pièces en phase de négociation. Donc, l'objectif principal, je veux dire, ce n'est pas qui est sans mettre sous pouvoir, c'est comment on a établi l'autorité de l'État, ce que M. Préval a dit depuis 1987. Evans Paul, n'a pas fini, même envie, Mado, et fini avec question. Ça, instabilité politique chronique qui existait en Haïti depuis le drame Pont-Rouge-là, côté le sorti, qui s'est banonné? Il commençait longtemps, il commençait depuis l'assassinat de Dessalines. Et notre troisième anniversaire indépendance pays, le 1er janvier 1807, c'est une bataille de cyber pour pouvoir. Là, on finit tout Dessalines, il n'y a pas entendu entre eux. Ou gagner Christophe Carpentier pour venir prendre pouvoir à Boissy. Et puis Pétion Campé, bataille faite. Pays, petit bout de pays, ça a été divisé en deux, divisé en trois. Et puis, ma même bagaille a continué sous même forme, non? Moi, je pensais que j'ai conscience qui pour prendre pour nous mettre d'accord sous principe de gestion pays. Hein? Et puis, sous mécanisme. Le principe, là, c'est un mécanisme, là, c'est la gestion par délégation. Pouvoir politique géré par délégation. Ma présence aux États-Unis, quel que soit le bagaille a passé, eh bien, il y a gagné un mécanisme qui fait que j'ai un monde qui gère le pouvoir pendant 4 ans, que j'ai un monde qui gagne un peu de monde, un peu de monde par email. Mais il y a d'accord, on s'est mené pays pendant 4 ans. La République dominicaine, en 1960, était dans le même niveau avec Haïti. Il y a pris une partie qui était nette à partir de 1994, après grave crise qui était gagnée dans l'élection entre Peña Gomez et Joaquín Balaguer. Il y a fait une entente politique depuis le ça, chaque 4 ans, gagner l'alternance politique, créer la stabilité. Et à partir de la stabilité politique, il y a attiré investissement américain, investissement russe, investissement canadien, etc. Haïti zéro investissement international à part la Digicel. Démocratie, il n'a pas marché sans COB, il n'a pas marché sans job, il n'a pas marché sans économie. Il fait qu'on l'autre gens pour nous payer. Il n'a pas marché tout sans mounio, sans éducation, sans confiance dans le pays. Maintenant, on a parlé de remet pays. Mais jeune moun ki kounya, yo pa carré mon pays qui est fatra, un pays moun pa respecté, mon pays moun a touye moun. Pour créer ambiance patriotique qui pour faire remen pays. Pour mettre en condition pour remen pays. Je pense que c'est ça qui t'a doué motivation. Maintenant, ma proposition, c'est pour chercher formule qui ka marché. Moi-même, question conseil présidentiel là, m'pa gagne personne qui la donne. C'est des personnalités que je respecte. Mais il est clair que les papes qui ont marché, les papes ont résultat, pour plusieurs raisons, il n'y a pas de base légale. Et puis, nous avons une crise, ces conflits nous ont déplacé. C'est retirer le conflit à un côté, mettre de l'autre côté, nous ne pouvons pas créer une ambiance vraiment qui pour faire pays avancer. Il faut en affaire avec un monde, mettons un monde président provisoire pour un temps avec un mandat clair qui nous met un premier ministre qui pour agir. Il faut que nous apprenions qu'on est démocratie, marché, fonctionner. Par délégation. On apprend à déléguer, nous nous déléguer, nous connaissons, nous responsabiliser. S'il n'a pas fait travail, nous prenons sanction contre. Mais ce n'est pas là de mettre 7, 8, 9, 10, 20 personnes qui ont fait la marché. Nous faisons expérience comme ça déjà, il n'y a pas de résultat.
Voilà, nous avons parlé matin avec ex-premier ministre Evans Paul, avec nous avons essayé et commenter l'actualité. Ah, merci en pile, Evans Paul, parce que vous êtes disponible pour Radio-Télévision Caraïbes. Nous espérons reparler dans une prochaine occasion. Merci en pile pour l'effort à faire et m'a dit haïtien, pas décourager Haïti, c'est pour nous, on continue à chercher formule. Nous tous concernés, nous tous ces haïtiens, nous tous cafongés pour la situation change. Merci en pile.